Brunier au centre. Ensuite, à l'intérieur, un tir qui est bloqué par Ablena, son ancien coéquipier avec les Eagles du Cap-Breton. Tourigny, un tir contre! Miguel Tourigny qui marque! Et c'est 1-0 l'Armada. Un but marqué en double avantage numérique. Et le numéro 89 inscrit son 14e filet de la saison. Un tir qui a semblé échappé à Rémi Poirier. Première tentative de Laferrière qui est bloquée par Ablena. Laferrière, belle passe du revers à Tourigny. Tire sans avertissement qui échappe à Poirier. C'est 1-0 à l'Armada. On va voir l'annonce du but dans quelques instants. C'est bloqué par un joueur des Olympiques. Jonca, un tir dévié devant le filet par Corbeil et Poirier le saisit. Là. Il a semblé jamais voir ce Aaron Craig. Là. Ça a passé tout droit. On va s'amener avec vitesse chez l'Armada. Mathias Laferrière rentre en territoire des Olympiques. Un tir de Laferrière bloqué par le bouclier de Poirier. Alors, on va tenter de la rentrer, c'est fait. Alors, tente de déborder Tourigny. Tiens compte! Un tir qui a complètement surpris Olivier Adam entre les deux jambières et les Olympiques. De retour au centre Marcel Dion, alors qu'on voit la reprise là, du but de Tristan Allard, son 6e cette année. On va revoir encore une fois cette reprise. Belle montée d'Allard qui se défait de Tourigny. Est-ce que ça a touché Tourigny? Voilà, ça a touché le bâton de Tourigny sur sa remise vers le filet. Ça a complètement surpris Olivier Adam. Il remet vers Zach Dean. Dean prend le contrôle, il en lui soutient. Corbeil plaqué solidement par Boutin, là, en Rollins, avec force. Ça va être intercepté par Jonca. Ça touche la bande, ça va revenir au gardien du Poirier. Poirier intercepté par Corbeil, ça avance. Corbeil, un côté contre! Blake Richardson qui marque! Et c'est 2-1 l'Armada. Quel mauvais revirement des Olympiques en fin de période. Bien joué par Benjamin Corbeil. Et Richardson qui inscrit son 3e filet de la saison. Quel but important en fin de période. Voici la reprise. La remise de Poirier qui est interceptée par Corbeil. Richardson s'était isolé à sa gauche, à la droite de l'écran. Et sur lui-même. Tente de revenir devant le filet. Et reçoit la pression de Jonca. Landry tente de couper devant le filet. La belle manœuvre là-dessus. Bel arrêt d'Adam là, sur sa jambière. Hors d'une main à Edmund. Schmidt frappé là, à la tête là, par Craig. Les deux chamans là, à la ligne bleue. Un tir de la Ferrade. Bel arrêt de Poirier là-dessus. Là. Dégage. Vers Corbeil. Corbeil. À Tourigny. Tourigny au cercle. Ça avance un tir. Passe vers Bouchard. Bel arrêt de Poirier là-dessus. Là. Allez, Jonca prend le contrôle. Ensuite, à Marisa Ortiz qui tombe sur lui-même. Ensuite, à sa gauche, à Denis qui rentre en territoire des Olympiques. Un tir de Denis bloqué par Poirier. Au retour de Lacombe là-dessus. Là. Belle chance. Et Poirier a dû s'illustrer à plusieurs occasions. Là. Tenter de reprendre. Landry en contrôle. Ok, ce double échec. Là, on va s'amener en surnombre chez l'Armada. Laferrière et Pinard. Devant Billy, ils vont s'amener à 3. Laferrière patiente. Laferrière tente. La passe à Pinard. Le compte! Simon Pinard qui marque. Et c'est 3-1, l'Armada! C'est son 100e point en carrière dans le circuit Courteau. C'est quand même drôle qu'il fasse ça à Drummondville, dans sa ville natale. Les choses sont bien faites. Regardez la patience de Laferrière. Attends que tout le monde et repère son coéquipier de 19 ans. Il était tout seul au cercle opposé. Passe transversale. Fait pas d'équivoque, l'Armada qui prend 2 buts d'avance en fin de période à 4 contre 4. C'est un 11e cette année pour Simon Pinard. On va voir l'annonce du filet de Blenheim. Il est venu le frapper. Là, on atteint Corbeil au visage de Jackson. Ça va en contre-attaque chez les Olympiques, fin de période. Verrons ensuite à Ablena qui s'avance. Un bel arrêt d'Adax, Silus là-dessus, là, sur le vétéran de 20 ans, Karl Ablena. Par la voie et Bouchard envoie en l'œuvre derrière la défensive, va tenter d'aller chercher le disque et contourner Ludo, c'est fait. Bouchard, quelle manœuvre! Bel arrêt de Poirier au retour! Manix Landry remet vers Métis Rollins. Rollins à Landry, c'était bien fait. Landry s'avance, c'était contre! Quel tir là-dessus de Manix Landry! Un autre but pour le capitaine des Olympiques. Quel tir dans la lucarne qui laisse aucune chance
à Olivier Adam et l'écart est réduit de moitié. Regardez la patience de Rollins, là. On a endormi tout le monde et Landry est tout seul. Tire par-dessus la mitaine d'Olivier Adam. Un magnifique but du capitaine des Olympiques. Et c'est 3-2. Un dixième cette année pour le numéro 13. Un but très important d'avantage numérique, là. Une sortie là, qui revient à Rollins. Ça met dans le territoire de l'Armada. Rollins s'avance. La passe d'un côté. Là, ça a touché Adam. Ça vient en fin de compte. Alexis Prokopenko profite de ce rebond. Et là, les Olympiques qui reviennent de l'arrière encore une fois, comme samedi. Et c'est 3-3. Mauricio Ortiz qui trébuche ensuite et l'on s'amène en surnom. Mauricio Ortiz reçoit la passe d'Edmund. Mauricio Ortiz revient à l'inférieur. Tire de retour. Quel arrêt de Poirier à deux occasions! Véro s'amène au cercle. Véro s'avance. Véro tente. Compte! Attendu, Cadet se complète. Et les Olympiques qui prennent l'avance après deux tireurs. Le sort de l'Armada, c'est maintenant entre les mains de Mathias Laferrière qui n'a pas joué. Au 81, Mathias Laferrière. Laferrière devant Poirier. Laferrière s'amène. Laferrière. Compte! Mathias Laferrière! Richardson prend le contrôle du disque. S'amène. Richardson devant Poirier. C'est goal! Pensait que le match était terminé. Voici Pierre-Olivier Roy. Devant Adam. Roy s'avance. Et compte! Pierre-Olivier Roy égalise. Rémi Poirier doit remplacer son bâton. Il l'a fracassé sur le poteau. Roy devant Poirier. Au cercle. Roy. Belfalier, goal!